La paix soit avec vous. Esprit Saint, toi qui es depuis toujours maître de l'impossible, viens réaliser en nous ce qui est possible. Fais revivre ce qui meurt en nous. Fais éclore ce qui germe. Fais mûrir ce qui est tombé en terre. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais-nous vivre de ta parole. Amen. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, le Seigneur notre Dieu nous invite à le découvrir, à poser notre regard sur lui et à regarder le monde tel qu'il veut que nous le regardions, à nous émerveiller et surtout à ouvrir notre cœur pour le remplir de sa présence. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 38, nous lisons « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. » L'évangile de ce jour commence par le regard et se termine par le regard. Et nous pouvons, d'entrée de jeu, nous poser une question. Quel est le regard portons-nous sur les autres? Quel regard portons-nous sur nous-mêmes? Jusqu'où va notre ouverture, notre rencontre avec les autres? Oui, l'évangile de ce jour soulève la question de notre capacité à nous convertir et surtout notre capacité à penser comme Dieu et non comme les hommes. Jésus interdit aux 12 de se laisser habiter par cet esprit d'exclusif. Jean de nous surprendre. Jean nous surprend. Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, sans faire partie de notre groupe. Nous avons cherché à l'en empêcher. Et voilà Jésus qui, contre toute attente, intervient fermement. Ne l'empêchez pas. Nous avons très certainement là une preuve de l'extraordinaire paix intérieure qui habite notre Seigneur et Sauveur. Oui, il invite du coup ses disciples à ouvrir les portes. Et il dit, je cite, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Une autre manière de leur dire, il y a des gens qui sont des nôtres, même s'ils ne sont pas sur nos listes. Il y a des gens qui sont en pleine communion avec nous, même s'ils ne sont pas dans nos églises. Il y en a qui sont en pleine communion avec Dieu, même si nous ne les connaissons pas. On peut être là. On a peut-être là une parfaite illustration d'une autre phrase de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 20, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui, tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette. Mais avant cela, Jésus dit bien, supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez-le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Matthieu 12, verset 33. Ici, la question
qui est soulevé est une question qui nous concerne tous, d'une façon ou d'une autre. Il s'agit de la question des frontières. Qui définit la frontière au-delà de laquelle les dons de Dieu ne seraient plus licites? Qui définit la frontière au-delà de laquelle le bien ne serait plus bien? J'entends le bien qui a sa source, le Dieu véritable, source de tout bien. Dans le récit du livre des Nombres que nous avons lu ce dimanche, la venue de l'Esprit sur deux personnages qui ne faisaient pas partie du groupe des 70 choisis par Moïse donne lieu à une première discussion. Josué demande qu'il serait châtié pour avoir illégitimement bénéficié du don de l'Esprit. Moïse répond, plût au ciel que tout le peuple devienne prophète. L'évangile selon saint Marc, que nous avons écouté en ce dimanche, nous renvoie à ses disciples choisis par Dieu, aux 12 apôtres désignés par lui. Lui-même est suivi par un certain nombre d'autres disciples. Cependant, on constate bien que la puissance de renouvellement du monde que Dieu met en œuvre à travers la mission de Jésus ne peut pas se limiter au groupe des 12, au groupe des disciples. Ici ou là, l'Esprit travaille au cœur de ce monde. L'Esprit de Dieu travaille au cœur de ce monde. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Nous ne pouvons pas, sœurs et frères bien-aimés, étouffer l'Esprit, embrigader l'Esprit. Oui, mes frères, en toute vérité, même si nous n'en avons pas conscience, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur nous, baptisés, prêtres, évêques, comme il repose sur chacun, quelles que soient ses capacités ou sa responsabilité. L'Esprit du Seigneur n'est pas notre propriété. Nous considérer comme propriété de l'Esprit, ce serait un blasphème. L'Esprit du Seigneur souffle où il veut, quand il veut et comme il veut. Et là, ce sont les fortes paroles de Jésus à l'un des 12 qui prétendait avoir le monopole du Christ et de son évangile que nous devons jamais oublier. Oui, c'est lui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. C'est lui qui n'est pas contre nous est pour nous. D'où, sœurs et frères bien-aimés, le grand respect que nous devons avoir pour tout homme et pour toute femme, quelle que soit sa religion, sa race, son option, ses opinions. L'évangile de ce dimanche nous met ainsi en garde contre tout sectarisme et nous pousse à aller vers l'autre pour reconnaître humblement le bien qui peut être fait. Encore une fois, nous sommes le corps du Christ et nous avons part à son esprit. Voilà notre grâce et notre dignité. Mais nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité qui n'appartient qu'à Dieu et qui accorde ses dons à qui il veut, comme il entend et comme il veut. Sœurs et frères bien-aimés, soyons donc dans la joie quand nous constatons que l'Esprit de Dieu agit en ce monde, agit au cœur de ce monde. Le bien, soyons dans la joie lorsque nous réjouissons que le bien habite le cœur des hommes, car le bien que font les hommes les constitue objectivement comme nos alliés et ne peut pas faire d'eux les ennemis de Dieu. Oui, Jésus veut que nous soyons des constructeurs de ponts, que nous puissions construire ce royaume d'amour, que nous puissions construire ce royaume de paix
et de fraternité. Il refuse de voir ses disciples appartenir à un club des gentlemen choisis, un club select des sauvés, qui, sans toutefois, sans fausse honte ni détour, lorgnent les autres et se disent en eux-mêmes, vous êtes perdus. Il rejette toute polarisation, celle d'être pour Paul, celle d'être pour Apollos. Nous sommes tous au Christ. Et le Christ est venu sauver l'homme, tout homme. Le Christ est le sauveur de l'humanité et son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Oui, Seigneur, que ton esprit habite en nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, que ton amour remplisse l'univers. Fais-nous voir ton amour. Fais-nous voir ton salut. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Bon dimanche à tous et que le Seigneur nous garde dans sa paix. Amen.